mais on est mère, on réagit. Je comprends que nos réactions, là, on est fort, on va plus fort avec sa maman, ça lui fait mal. Je comprends. Mais lui-même, là, c'était une autre mère, là, il allait réagir pareil. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez innocenter la mère, pardonnez. Allons dans notre sujet. Voilà, parce qu'en aucun cas, quand la maman l'a expliqué là, elle a dit, actuellement où je vous parle là, hier, le petit frère de bébé DJ, écoutez-moi bien, son petit frère Booba là, il dit, il est chez sa maman actuellement, il a lancé live. Cécile est montée sur son live hier. Si elle donnait des directives à son enfant là, Booba n'allait jamais laisser Cécile monter son live, malgré que bébé DJ a venu expliquer que Booba abusait de lui là. Même l'enfant là, son propre qui vit chez sa maman actuellement, a laissé Cécilia monter sur son live hier. Donc ce qui explique cela, pourquoi vous voulez faire genre, comprends bébé DJ, oui c'est sa maman. Peu importe ce que ta mère est, mais il n'a qu'à accepter les réalités aussi. Il n'a qu'à accepter les réalités. Parce que hier, son petit frère, malgré tout, son petit frère nous a dit qu'il est chez sa mère en ce moment. Il a dit laisser sa main. Donc sa maman doit lui dire, ne parle plus avec Cécilia. Parce que voilà ce qu'il a fait à ton grand frère. Je ne veux plus que tu aies affaire à lui. Mais l'enfant là était en live hier. Une matérialiste, sa fille, a expliqué dans une note vocale que deux jours là, ça ne va pas chez elle. Elle a appelé sa maman pour dire que maman, c'est chaud sur moi, il est venu chez toi. Sa maman lui a dit que non, parce qu'il ne peut pas t'héberger chez moi, parce que la maison où aussi dedans là, c'est Cécilia qui paye. Donc elle a laissé sa propre fille à la rue. Sa propre fille actuellement là, elle n'a pas où dormir. Sa propre fille actuellement, elle n'a pas où dormir. Elle dort chez les gens pendant que sa maman a une maison. Elle peut récupérer, prendre son enfant. Mais elle a dit que sa fille nous a dit dans sa note là que sa maman a dit que c'est Cécile, la maison où elle vit dedans actuellement là, c'est Cécile qui paye. Donc elle a refusé sa fille parce que sa fille ne parle pas à Cécilia. Sa fille en parlant de Cécilia, elle préfère Cécilia au détriment de son enfant. Donc qu'est-ce que vous voulez cacher? Qu'est-ce que vous voulez venir? Même si Mado, c'est elle qui a appelé la maman, ou c'est pas elle qui a vu ton enfant pleurer. Une mère, tu vas te déplacer, chercher où ton enfant est pour venir chercher ton enfant. Jusqu'à aujourd'hui, là, bébé Didier, c'est son nom, sa maman n'a même pas cherché à rentrer en contact avec lui. Tu vois ton enfant, tu vas appeler ton enfant, tu vas venir le chercher pour être à côté de lui. Bébé Didier a montré son nom, sur notre live hier, là. Il n'est pas en contact avec sa maman. Il n'a pas entendu que ma maman m'a appelé. Même s'il vient dire ça aujourd'hui, moi, il a dit c'est faux. Parce que je dis sa maman. En ce moment-là, cette femme-là devait réunir ses enfants actuellement où elle vous parle auprès d'elle. Elle a un seul. Et le un seul qui est chez elle, là, qui est avec elle, là, c'est lui qui est en contact avec Cécilia. Et dans la maison où elle a moi, j'apprends ça là. Même si c'est Cécilia qui paye ma maison, je quitte la maison là. Je vais dormir à la rue parce que mes enfants avant Cécilia. Mais son petit frère est chez sa maman actuellement. Hier, il a lancé live. Il a bien vu que Cécile est où bien. Et puis, il appelle Cécile, maman, papa. Papa. Et puis, il défend même Cécile. Après tout ce que son grand frère a pu faire pour eux, le sacrifice que son grand frère a fait pour que lui soit à ce niveau-là, il prend Cécile sur son live. Si on lui demande, là, c'est nous, il nague. Et ça, c'est nous, il est en train de nous naguer. C'est elle qui nous a accouché. Il n'a qui, c'est son propre qui n'a. Nous, on entend de défendre quelque chose. Moi, quand on t'a dit que moi, mon boda qui est derrière moi, la Cécile a bien rentré dedans pour sortir. Non. C'est son frère qui n'a. Et c'est méchant. Voilà, parce que comme il est bête, il pense que c'est nous qui nagues. Il n'a qu'à se mettre en tête que c'est son grand frère qui a toujours été là pour lui. Parce que si je comprends une chose aujourd'hui, bébé Didier s'est sacrifié. Il a accepté de mougou, ben, il a accepté d'être avec lui là pour sa famille. Chose que sa mère n'a pas fait. C'est-à-dire que sa mère n'a jamais accepté de se sacrifier pour eux. Mais lui, étant mineur, il s'est sacrifié pour ses parents. Pourtant, ça, c'est le rôle de sa mère. Donc, vous venez, oui, la maman était manipulée, elle était rien. Elle n'a qu'à quitter d'abord dans maison de maison que tout paye. Elle n'a qu'à quitter là-bas d'abord. Elle n'a qu'à venir réunir ses enfants autour d'elle. C'est la mère qui a vendu ses enfants. Mais voilà, donc, ne venez pas me fatiguer la tête. On revient, revenons dans nos sujets.